diocèse de Bayonne fête aujourd'hui Saint Michel d'Aricoitz, né à Ibar, en Soule, en 1797. Il poursuivit ses études en vue du sacerdoce avec un courage et une constance inébranlables, tout en étant domestique. Ordonné prêtre, il fut nommé vicaire à Cambo-les-Bains et 2 ans plus tard prit la direction du grand séminaire diocésain près du sanctuaire de Notre-Dame de Bétharram. Il réunit des prêtres qui se consacreraient à la prédication et aux soins des âmes. Puis il fonda la Société des prêtres du Sacré-Cœur de Jésus. C'est là que, soumise à la volonté divine, il mourut le 14 mai 1863 en la fête de l'Ascension du Seigneur. On priait en particulier pour le diocèse de Bayonne. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie, en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon, nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde, et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés, et nous conduise à la vie éternelle. Amen. O regaliauna, o regaliauna, Christo o regal, Christo o regal, o regaliauna, o regaliauna. Prions le Seigneur. Daigne nous pénétrer, Père très saint, de cet esprit filial qui, à la suite du Christ obéissant, conduisit Saint Michel d'Aricoitz à faire constamment ta volonté, sans retard, sans réserve et sans retour. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les apôtres et les anciens décidèrent avec toute l'Église de choisir parmi eux des hommes qu'ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C'étaient des hommes qui avaient de l'autorité parmi les frères. Jude, appelé aussi Barsabas, et Silas. Voici ce qu'ils écrivirent de leurs mains. Les apôtres et les anciens, vos frères, aux frères issus des nations, qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Attendu que certains des nôtres, comme nous l'avons appris, sont allés sans aucun mandat de notre part, tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi, nous avons pris la décision à l'unanimité de choisir des hommes que nous envoyons chez vous, avec nos frères bien-aimés Barnabé et Paul, eux qui ont fait le don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent. Vous abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non saignées et des unions illégitimes. Vous agirez bien si vous vous gardez de tout cela. Bon courage. On laissa donc partir les délégués et ceux-ci descendirent alors à Antioche. Ayant réuni la multitude des disciples, ils remirent la lettre. À sa lecture, tous se réjouirent du réconfort qu'elle apportait. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Mon cœur est prêt, mon Dieu, mon cœur est prêt. Je veux chanter, jouer des hymnes
Éveille-toi, ma gloire, éveillez-vous, harpe, cithare, que j'éveille l'aurore. Alléluia, alléluia, alléluia. Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur, et jouerai mes hymnes en tout pays. Ton amour est plus grand que les cieux, ta vérité est plus haute que les nues. Dieu, lève-toi sur les cieux, que ta gloire domine la terre. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Je vous appelle mes amis, dit le Seigneur, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Mon commandement le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle mes amis. Nous sommes devenus amis de Dieu par la volonté du Christ. Par l'amour qu'il a donné pour chacun de nous, nous sommes devenus ses amis. Nous étions des créatures de Dieu, à l'image de Dieu. Nous étions serviteurs de Dieu, nous devrions être serviteurs de Dieu parce que nous ne sommes que des hommes. Mais voilà que le Seigneur nous élève au rang d'amis. Repensez à ce que sont nos vrais amis. Eh bien, si nous cherchons un ami, nous en avons un en la personne du Christ. Un ami véritable, celui qui ne nous lâche jamais, celui qui est toujours là dans les épreuves, celui qui est prêt à donner sa vie pour nous, par amour. D'ailleurs, il l'a déjà fait sur la croix, mais il continue de donner sa vie par amour pour chacun de nous. Oui, nous ne sommes plus serviteurs, nous sommes des amis. Frères et sœurs, comment aujourd'hui, chacun de nous honore-t-il ce titre d'ami du Seigneur, ami du Christ? Qu'en faisons-nous de ce titre honorable, ce titre de gloire, j'allais dire, d'être ami du Christ et donc ami de Dieu? Et au cas où nous estimerions que nous ne sommes pas à la hauteur parce que nous ne sommes pas à la hauteur, eh bien, c'est le Christ lui-même qui dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. » Et donc, si nous n'avons pas trop confiance en nous-mêmes, à cause de nos limites, à cause de nos péchés, à cause de toutes nos imperfections, notre indignité, eh bien, nous devons être en confiance. Parce que malgré cette indignité, ou peut-être à cause de celle-là, il nous a choisis. Je le rappelle, c'est ce que veut dire le mot Christ. Christ veut dire choisi. Nous sommes devenus chrétiens parce qu'au jour de notre baptême, nous avons été choisis par Dieu comme ses enfants, comme ses amis bien-aimés. Autant de titres qui sont inouïs quand on y pense, mais qui doivent nous redonner l'espérance. L'espérance de vouloir être à la hauteur de ce que le Seigneur a mis en nous, ce titre d'enfant, enfant bien-aimé, ce titre d'ami
à la vie, à la mort, j'allais dire. Et c'est un peu ce qu'a vécu Saint-Michel Gary Coates. Un amour très grand du Seigneur. Tellement qu'il a voulu que tous puissent aimer le Christ. Et c'est pourquoi il a fondé cette congrégation pour transmettre cet amour dès le collège, dès les jeunes, mais aussi dans la formation des prêtres en particulier, et dans la mission, pour que tous sachent qu'ils ont ce titre très beau d'ami. Alors nous pouvons redemander au Seigneur, par l'intercession de Saint-Michel Gary Coates, justement de nous aider à renouveler cette amitié personnelle avec le Christ. Saint-Michel Gary Coates, vous le savez peut-être, est de la même époque que Sainte Bernadette et que le bienheureux Louis-Édouard Sestac, et c'est lui qui avait été choisi par l'évêque de Tarbes pour vérifier l'authenticité des propos de la catholicité de Sainte Bernadette. Eh bien, nous aussi, nous pouvons lui demander de vérifier, de nous aider à vérifier notre catholicité, c'est-à-dire notre véritable amitié avec le Seigneur.